Salut les petits chats, c'est JujubeeCat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube en direct de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Pour cette vidéo, je suis en présence de Grégoire et de Lucas. Yes. Aujourd'hui les petits chats, nous sommes à l'école de formation des sapeurs-pompiers de Paris pour pouvoir passer les tests sportifs. Il existe d'autres tests pour pouvoir intégrer l'école. Dans notre cas, nous allons nous concentrer sur les tests sportifs. Grégoire et Lucas, qui sont avec moi aujourd'hui, vont tester de passer les tests. Facile. Soyez pas trop sûrs de vous les gars. Facile. Vous êtes chauds les gars? C'est parti. C'est parti. Ok les petits chats, maintenant on se retrouve à la piscine et on va aller enfiler nos meilleurs bikinis pour passer la première épreuve de la journée. C'est parti. Bon les petits chats, j'ai un problème, mes cheveux ils sont pas rentrés dans mon bonnet de bain. On est à la piscine et je suis en présence de Guillaume qui va nous expliquer tout de suite qu'est-ce qui nous attend pour les premiers tests de la journée. Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui vous allez faire trois épreuves. La première épreuve, s'agit d'effectuer un 100 mètres en nage libre, en sachant que le bassin fait une longueur de 25 mètres, il faudra donc effectuer 4 longueurs. À chaque virage, il faudra toucher la paroi verticale de la piscine avec n'importe quelle partie de votre corps. Okay. Si vous savez faire une culbute comme les nageurs, bah vous faites la culbute. Ce sera sans la culbute pour moi. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a un temps à ne pas dépasser pour faire les 100 mètres? Il y a donc un barème. Pour les garçons, il va s'agir d'être au-dessus du chrono de 3 minutes 10. Et pour les personnels féminins, un chrono au-dessus des 3 minutes 20. Deuxième épreuve, il s'agit en fait d'effectuer un saut du plongeoir de 3 mètres pour monter en surface. Et là, vous allez progresser pour effectuer la troisième épreuve. Là, il va s'agir tout simplement d'aller rechercher un anneau lesté qui se situe à peu près à 2 mètres 50 de profondeur. Le remonter en surface. Vous pouvez pousser sur le sol pour remonter en surface. Ça sera pas trop parce que vous pensez qu'on a mangé ce midi. Juste tes cheveux, je peux les rentrer dans le bain. Mais oui, je vais le faire. Mais non, justement, ça fera de l'aérodynamisme. Hydrodynamisme, on le cherche. Ah oui. T'as un bac S, toi. Ok, ouais, exactement. C'est parti, on démarre l'épreuve. Bon, les gars, comment vous sentez? Là, ça va être un peu chaud. Et toi, madame, t'es prête? Je suis plus que prête. T'as révisé un peu, t'as nagé? Ah, Vomar. Alors je tiens à dire les petits chats que j'ai fait les 100 mètres avec les lunettes remplies d'eau, je voyais rien du tout. C'est physique la nage. Hein. Bon ben les gars, bien joué, vous avez géré. Merci de vous dire. Ils étaient largement devant moi. J'ai pas peur de faire ma brasse coulée que je les voyais comme ça en gros. Les FitCat c'est pas fait pour le moi, je vous le dis. Ok les petits chats, là on part pour le saut de 3 mètres. Je suis pas rassurée du tout. Je pense que quand je vais arriver en haut, je vais avoir l'impression que c'est très très haut. Ah quand même ouais, ça fait pas pareil vu d'ici. Vous êtes prêts les petits chats? Ça c'est pour vous, je vous le dis, parce que pour moi je l'aurais jamais fait. 3, 2... Maintenant, on va aller récupérer l'objet à 2,50 m de profondeur. Alors, la piscine, c'était dur. Franchement, facile. Dis la meuf qui est arrivée dernière à la course quand même. Vous vous êtes bien débrouillé. Je nage plus vite que ce que je pensais. Comme quoi, les filles de 4 savent nager. Alors maintenant, attention, on se concentre parce qu'il faut encore tout donner jusqu'au parcours. Et le parcours, il pique un peu. Ça, j'en doute pas du tout. Et c'est pas parce qu'on a des super notes ici qu'on aura des super notes là-bas. Okay. Je dis pas ça. On donne tout, on lâche rien parce que je pense que la suite va s'avérer encore plus difficile. On se retrouve sur la prochaine épreuve. Allez. Enchanté, David. On se retrouve pour la troisième épreuve aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous présenter ce qui nous attend? Tout d'abord, la première épreuve va consister à faire un tiré de dévidoir. On fait un aller-retour au niveau du plot là-bas. On ramène le dévidoir dans la même position. On part en quadrupédie dans les chicanes. Je pense bien à faire le tour du panier de basket et récupérer un tuyau de 70-20 mètres. Je passe l'obstacle haut, situé à 1 mètre avec le tuyau, par-dessus l'obstacle. Ok, on ne peut pas passer en dessous. Ça, c'est embêtant. Pourtant, ça fait ta taille. Oui, c'est clair. Fais attention, bien sûr, de ne pas faire tomber le tuyau. Je passe par le plot bleu qu'il y a ici et je passe la poutre. Tu te souviendras? Bien sûr, vous vous souviendrez les gars. Oui. Et je viens déposer mon tuyau sur la table ici même. Je récupère
mes deux bidons de 20 litres et je fais donc mon aller avec les grandes enjambées, voilà. La petite poutre ici, attention à ne pas glisser. Je viens déposer mes bidons dans cet emplacement. Je récupère ici mes crochets d'amarre et je viens tracer en forçant vraiment bien dans les cuisses, d'accord. Je dépasse la ligne des plots et je reviens pour repositionner mon pneu derrière la ligne que forment les plots. Et de là, sprint pour finir sur les deux plots tout au bout là. Ça c'est du wood. J'ai pas fait de crossfit ce matin, j'ai bien fait. Ok David, du coup, c'est quoi le temps à ne pas dépasser pour ne pas être éliminé sur le parcours? Pour ne pas être éliminé, c'est 2,27 pour les filles et 2,09 pour les garçons. Eh ben, j'espère que vous avez bossé votre cardio les gars. Ok, salut. Voilà, hein, non Grégoire, tu veux passer les tests, tu reviens. Ah oui, d'accord, oui, c'est bon, je suis là. Allez, montez Junou. Allez, on lève les fesses, Juju. Je fais ce que je peux. Talons fesses. Qu'est-ce que tu fais, Juju? Je mets des gants parce qu'on m'a dit qu'il y avait déjà eu des accidents et des doigts arrachés. Horrible, tu imagines? Ok, les petits chats, ça y est, c'est parti. Je compte sur vous pour exploser les pattes de chat en bas de la vidéo pour me soutenir. 3, 2, 1. Allez, go là! Voilà, 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 là t'as la haine là, là t'as la haine là. Allez, enchaîne. Allez, cours là. Allez, allez, c'est bien ça. Cours, allez. Je vous entends pas les gars. Allez, fuite. Allez, fais gaffe, on va pas te le prendre dans les tibias ça. Allez, là il va pas te gêner, allez, cours. Allez, rappelle-toi. Allez, passe à côté. Allez, cours, la poutre. Récupère les raccords si tu peux, allez, et accélère. Allez, Jus. Allez, fais un footing, vas-y, allez. Allez. Allez, go. Allez, vas-y. Allez, pause. Allez, ça va. Boum. Allez, c'est rien là. Allez, Ouh. Bien joué ma fille. Mais toi les tiges. Pète de chat en bas de la vidéo pour maman Fit Cat. 3, 2, 1. Allez go. Allez, tire. Allez, c'est bien gros. Allez, retourne-toi. Allez, pause. Le côté, non, reviens. Allez, c'est de l'autre côté. Allez. Va repartir, vas-y. Allez, chicane. Allez là. Allez mon gros. Allez, qu'est-ce que tu fais là? On marche pas là. Allez. Allez mon gros, allez tranquille. Allez là, accélère. Allez, va le poser. Allez, tu poses. Allez, on reprend. Go. Allez là. Allez, pose. Alors, j'ai roulé le dos et boum les cannes. Allez là. Allez, dépêche-toi, c'est la fin là. Allez, demi-tour. Allez. Allez, gros, c'est bientôt la fin, vas-y là. Allez, marche pas là, allez là. Viens mec, putain. 3, 2, 1. Allez, prends là. Et... attention. Ils sont embarqués, remets la plat. Allez, les imprévus. Allez. C'est bien, tu souffles. Allez go. Boum. Tire, allez, tu prends le temps, allez. Vite. Ah les genoux, ils lèvent plus là. Comment ça va gros? Oh c'est dur. Cœur de 100 à l'heure là. Bon alors Justine, Greg, Lucas, le parcours. C'était intense. Horrible. Vraiment intense. Horrible. C'est celui qui l'a plus mal vécu quoi. En fait j'avais fait la moitié du parcours à fond et au demi-tour j'en pouvais plus. Et arrivé sur la poutre j'étais vraiment asphyxié. Ouais, faut gérer Lucas, son rythme aussi. Je pense que faut bien faire attention à ne pas se précipiter. Il faut bien être concentré mais ne pas confondre vitesse et précipitation. Quand t'as tourné le dévidoir, t'es retourné, derrière tu perds 15 secondes. Ah, bah, toi, je te rejoins, si tu pars trop vite, tu vas être sec. Y'a qu'à voir ma tête à la fin. Greg, il s'est retrouvé à bouffer une barre de glucidique après pour reprendre des
force. Mais non, fallait pas le dire ça, non. Ça représente quelque chose qu'on va faire sur l'intervention. On va tirer une bobine de tuyau. Dans la foulée, on va peut-être se mettre à quatre pattes pour essayer de progresser dans un appartement. Qu'est-ce que tu conseillerais là-dessus pour préparer sur un parcours comme ça? Le fractionner en premier et puis après s'entraîner à bosser avec des poids, donc courir avec une balle, tout ce qu'on peut avoir un peu à disposition facilement chez nous en salle de sport. Quand vous rentrez des courses, courir avec les packs d'eau. Maintenant, on passe au dernier test de la journée. Très simple, les tractions, on prend la barre, les mains, les pouces en dessous, les pieds pas croisés. Et là, on monte la traction jusqu'en haut. Faut passer le menton au-dessus de la barre. Et tu en fais le plus possible. Pierre, combien de tractions il faut valider pour pouvoir avoir ce test quand on est une fille et quand on est un garçon? Au minimum, il faudrait faire 3 à 5 tractions pour les filles, 10 pour les garçons. Et par contre, le but, c'est de faire le plus de tractions possible. C'est parti. Ok, non mais par contre, je l'atteindrai pas, ça c'est sûr. On a bien rigolé, maintenant, mais sérieux. Allez. Boum. 1, 2, 3. Allez, 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 force, allez, attends. Je crois que ça s'est arrêté plus à 6 qu'à 7. 6-3-4. 6-3-4. Et ben les gars. Allez, maximum. Allez. Allez, on décroise, monsieur. Allez, allez. Elle compte ça pour l'instant. Bien passé le menton. Hein. Allez, menton au-dessus de la barre. Non, ça passe pas. Elles sont pas comptabilisées. Allez. C'est pas comptabilisé ça. Eh ben, c'est sur quoi on va bosser. Oui. Allez. Allez, Lucas, c'est parti. Allez. Montre-nous à quoi servent ces bras là. Déverrouille à fond. Passe bien le menton au-dessus de la barre. Allez. Ça compte pas ça. Tu passes plus ton menton là. Ça compte pas ça. Encore. Allez, encore. Allez. Au-dessus de la barre. Ça c'est dur. Christophe, on va débriefer avec toi pour voir un petit peu comment ça s'est passé aujourd'hui. Bon, comment vous êtes senti? Je me suis surpassé quoi. J'ai vraiment donné tout ce que j'avais et c'était ça. C'est un peu la satisfaction que j'ai d'avoir tout donné. Pareil, pas de regret, on y allait à fond. Est-ce que vous voulez connaître vos résultats? On attend ça. Justine, d'après toi, t'as eu combien à la piscine? Je pense que là où j'ai le plus pêché dans la piscine, ça devait être justement le 100 mètres. Parce que le reste, le saut, aller chercher l'objet en profondeur, il n'y a pas eu de problème du tout. En tout cas, je l'ai pas ressenti. T'as fait 2 minutes, 14 sur 20, c'est bien. On l'applaudit. Ouais, mais c'est une brasse rapide. Lucas, ça a été. Combien tu penses avoir? La moyenne. Bien. Une 40, 15 sur 20. Grégoire, toi tu m'as dit une 50, 14 sur 20. Vous avez récupéré l'objet et vous avez sauté, donc vous n'avez pas de points en moins. Le parcours, Justine. J'ai envoyé tout ce que j'avais, j'ai donné mes tripes quoi, jusqu'au bout. On l'a vu. N'hésitez pas à prendre des captures d'écran pour faire des montages avec sa tête, ça va être magnifique. 2-0-3, 14 sur 20. Lucas. Moi, plus difficile. Tu fais du cardio habituellement? Un petit peu. Ouais. Mais on pourrait en faire plus. Une 57, 11 sur 20. C'est limite. C'est juste. Ouais. Avec un peu d'entraînement, tu peux largement progresser. Toi, tu fais pas de cardio du tout. Ah, cardio, non. Bon, Greg, de 20, 3 sur 20. 3 donc sur 20. C'est éliminatoire. On passe aux tractions. Justine. Il me semble que j'en ai fait 6 normalement. T'étais pas loin de 7. On t'a compté 6 tractions. Parce qu'effectivement, t'étais pas loin, mais t'as pas passé. Non, il manquait le menton sur la 7e. Il manquait donc 6 tractions, donc c'était malgré tout 12 sur 20. Lucas. Les tractions, ça a été, je pense que j'en ai fait 12-13. 12-13. Ouais, alors le problème, c'est que souvent, si tu déverrouilles pas les bras, et dans ce cas-là, on compte pas. On t'a compté 8 tractions, ça te fait 8 sur 20. Ok. Greg, Moi, je pense que j'en ai fait 6 ou 7. On n'est pas du tout dans le clou là. On vous a demandé également aux consignes de bien passer le menton au-dessus de la barre. Et t'en as fait aucune au-dessus de la barre. T'as fait des tractions, mais le problème c'est que t'as pas écouté les consignes. Je vous propose quelque chose, Justine. Sportivement parlant, sur le papier, tu es bien partout. Et ça, c'est important pour nous. Donc pour nous, ça passe. En revanche, pour vous, messieurs, vous êtes bons en piscine, mais il vous manque quelque chose. Justine, j'ai quelque chose à te proposer. On est fin novembre. On se revoit fin janvier. Pendant ces quelques semaines, Justine va vous préparer. Fin janvier, vous revenez. Et là, vous me montrez que vous en voulez. On va voir ça comme un défi. On se met focus dedans et quand on revient on déchire tout. Oui, maman, je le casse. Allez, on se voit en mode janvier. On se voit en mode janvier, ça va le faire. Bon les gars, ça va, pas trop déçu? Moi je suis un peu déçu de mes résultats. Enfin, je me suis pas assez entraîné, voilà, la vérité c'est ça. Et que je vais bosser mes tractions, je vais bosser mon cardio. Juju va me faire transpirer. rendez-vous en janvier et puis je suis motivé à tout recasser parce que je suis pas venu pour perdre. C'est parti.